Le Salon Atlantica, c'est au moins 15 jours de travail sur une centaine de personnes de l'équipe technique. 20 bénévoles Atlantica sont sur le site. Selon les disponibilités de chacun, en fin de saison, on est tous gestionnaires de camping et puis chacun donne un peu de son temps sur l'organisation d'Atlantica. Ici, on se trouve dans le bistrot du Salon Atlantica. Vous pouvez le voir en train d'être monté petit à petit. À J-2 du Salon, l'équipe Grégory Coutenceau est en train de tout mettre en place. Au fur et à mesure des années, on arrive à organiser notre temps de travail, le temps sur place, l'équipe technique également pendant le week-end. Hein, ça fait déjà 10 jours à peu près que c'est en train d'être monté. Au moins 20 bénévoles sont là tous les ans. Un noyau dur qui reste là toute la semaine, voire 10 jours sur place. Et sinon, tous les jours, on a des nouvelles têtes. Tous les ans, des nouveaux viennent donner un petit coup de main en fin de saison. Atlantica, c'est donc une histoire de contact humain entre les bénévoles. Alors moi, je vous dis à dans 48 heures, encore un petit peu de travail avec mes collègues et puis à demain.